attention, please. Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour ce 8e épisode sur RimWorld en Alpha 12. Donc on progresse tout doucement, on arrive à peu près à rattraper nos problèmes de bouffe. Notre élevage commence à progresser aussi. On a un grossiste, mais on va pas pouvoir faire grand chose avec lui. Alors grossiste, Blevins, t'es où? Tu vas aller le voir. Notre grossiste. On n'a toujours pas fini notre base. Alors, on peut vendre des animaux, mais je veux pas. Ça, c'est quoi? Est-ce qu'il y aurait des poules? Non. L'alpaca. L'alpaca. Je me tâte. Mais non, on peut pas acheter, on n'a pas assez. Ça, so, c'est quoi? The pig was one of the first animal. Pig. Bull. Ok. Non, on peut pas. C'est dommage parce que ça, c'est des vaches, il me semble. Mais on n'a pas d'argent. On n'a rien à vendre. Donc c'est mort. Non, tant pis. Pour le moment, tant pis. Donc c'est bien le grossiste qui peut nous vendre ce qu'on aurait besoin. Je sais pas où est passé notre argent. On avait de l'argent, hein. Mais je sais pas où il est passé. Et là, c'est parce qu'on n'a pas le balise. Ah là là, la... on n'avait pas mis des balises. En bois. Allez, on va leur mettre un peu de luxe. Plancher. Non, 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 je crois que ça fait ça. Dans la salle à manger. Voilà, pour le moment, que dans ces endroits-là. Là, j'ai oublié de mettre mon chrono, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Donc ça doit bien faire 5 petites minutes, on va dire. Oh là 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 là. À s'y tenir. C'est pas trop mal.
progresse lentement, mais sûrement. On a enfin fait nos tourelles ici. J'aimerais bien même en rajouter une. Là. Le sac de sable, je ne les mets pas pour le moment. Parce qu'on n'a pas assez d'acier. Est toujours très lente, donc elle par la suite faudra essayer de lui donner des jambes bioniques pour qu'elle aille plus vite. Ça va nous coûter cher. Contrebandier, de toute façon, on sait que c'est pour rien, mais on y va quand même au cas où. On n'a toujours rien à vendre, donc on laisse tomber. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est pour les animaux, ça doit être de l'herbe ou un truc comme ça. Turtle, tu fais quoi, Turtle? Tu médites. Pas d'autre chose plus intéressante à nous faire. En construction, là, ça y commence à nous faire les sols. Contrebandier. De toute façon, on n'a pas de sous, on n'a rien. L'avantage des animaux domestiqués, c'est que quand on veut les bouffer, on dit de les tuer, ils sont one shot quoi. Et pour ça, il faut en avoir beaucoup. Même en étant en vitesse accélérée, j'ai l'impression que c'est ça va pas beaucoup, ça va pas très vite. Allez, il se passe quoi là? Sa cuisine, d'accord, c'est Freya qui construit, mais elle est lente. Il continue à nous ramasser toute notre merde. Ça va être vite plein ici quand même. Demande si il faut à tout prix quand même que allez, faut s'y coller là. Tailleur de pierre, parce que sinon on va pas s'en sortir. Pardon.
nous fait quoi, Blewins? Les repas, ça va, ça avance. Donc déjà, sur ce point-là, on est tranquille. Normalement, Gérasim, tu nous fais quoi? Transporte Grimba. On finit de transporter tout ça et va nous faire des recherches, s'il te plaît. Un colon supplémentaire ferait pas de mal. Hein. Ça avance pas. Capsule de cargo, ça faisait longtemps. Qu'est-ce qu'on nous propose? Encore du tissu. On va en profiter pour ramasser. Ça, ça. Base n'a pas beaucoup progressé. On a nos chambres, on n'a toujours pas nos cellules de prisonniers qui au pire vont transformer ça. La bouffe ça progresse. Si je vais pas faire un deuxième établi de cuistot, juste histoire de. Voilà, juste histoire. Qu'on atteigne ces 60 repas le plus vite possible pour qu'on puisse se concentrer sur d'autres choses. Bon, c'est bien parti là pour les 60 repas. Est-ce qu'on a nos sangliers qui auront faim? Non, on va passer le petit. Capsule de cargo. Alors. Ah, ça c'est sympa. La viande de Husky. Oh, c'est gentil les Husky. Allez, fais-moi ces 60 repas et mets-toi sur autre chose. C'est bien parti pour une fois, un let's play pas trop galère. J'y croyais pas au début. Au début je me voyais mal barré. Voilà, allez, quand il a fait les 60 repas il peut s'atteler à autre chose, c'est bien. Capsule de car encore de la viande. Ouais, mais faut me ramasser tout ça. Qui, Gérasim, tu vas nous ramasser la viande. Allez, faut me ramasser tout ça.
On ramasse tout ça, on laisse pas pourrir. La viande, c'est bien. On va ramasser celle-ci. Non, 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 non. Tu te reposes pas. Tu viens me ramasser ça. C'est important, la viande. On finira ça. Allez, et là, qu'est-ce qu'on a? Du tissu, ça c'est moins important. Ok, normalement tu peux aller dormir. Voilà, va dormir. À avancer, à progresser tout doucement. Des lampes quand ils auront fini les sols, hein, parce que c'est la tête. Trois lapins. Feu, bien entendu, il pleut pas. Et vous allez m'éteindre le feu là. Allez, allez. Non, non, mais. Tout ça, merci. Voilà, faites ce que vous voulez après. Encore. Contrebandier, on n'a rien à vendre. Pour le moment, tant pis. Sans, il faudrait qu'il nous fasse. Là, on a bien posé une balise. Ouais. Du fer, il faut miner. Contrebandier, oui. Purée. Fournisseur militaire, oui, mais tant pis. Oh, mais ce fou. Oh, l'orage, franchement, l'orage, mais. C'est dingue. Alerte critique au feu. Voilà. Non, c'est fini le feu. Animaux, on les soigne. Non. Ok, faut soigner nos animaux, faut pas les laisser. Vendeur de produits exotiques, on peut rien acheter.
On arrive à la fin de cet épisode. Merci à tous et à toutes de me suivre sur ce Let's Play sur Rimworld en Alpha 12. Pensez à liker, partager, commenter. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Bye bye tout le monde!